Salut Internet, c'est Kamof. Aujourd'hui on se retrouve pour... Waouh, ça s'est allumé. Putain, ça tue l'Oculus Rift, hein. Et je suis pas sponsorisé par Oculus, mais je peux vous dire que ça, c'est une tuerie. Bref, on va arrêter les conneries. Ces derniers temps, j'ai énormément entendu parler de petits mongoliens qui s'amusent à jeter des trottinettes à la mer et sur Marseille. Depuis peu, il y a plusieurs compagnies qui se sont installées sur Marseille pour y développer des trottinettes électriques et pour bien sûr faciliter la mobilité des gens en ville. Bien entendu, c'est très pratique, mais il y a malheureusement des gens qui s'amusent à jeter les trottinettes dans la mer et dans le vieux port de Marseille. Sachant que les batteries sont en lithium et que ça pollue énormément la planète et que ça tue l'écosystème, on s'est rendu à la Pointe Rouge, on est resté devant un lot de trottinettes pour voir si quelqu'un s'amusait à les jeter dans l'eau. Pour connaître l'histoire de ce qui s'est réellement passé et pour connaître la fin, surtout, regardez la vidéo en intégralité et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une petite conclusion. En attendant, moi je vais jouer à l'Oculus Rift parce que c'est de la frappe atomique. Donc salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, comme je l'ai expliqué dans l'intro que j'ai faite juste avant, je suis en compagnie de mes frérots, Soso, si vous voulez les rajouter sur Insta, ils s'affichent tous en dessous. Il y a Steven le frangin, il y a Bâtard et il y a le frangin Eddy. Si vous voulez les rajouter sur Insta, n'hésitez pas. C'est avec plaisir qu'ils vous répondront. Donc les amis, aujourd'hui, on est sur la corniche à Marseille, proche de la mer bien entendu. Et on va essayer de voir si on ne tombe pas sur des gens qui jettent des trottinettes à l'eau. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui fait polémique. Parce qu'il y a beaucoup de trottinettes qui sont mises à disposition grâce à la ville de Marseille pour pouvoir faciliter les trajets de tout le monde. Et il y a des petits mongoliens qui s'amusent à les jeter dans l'eau et spécifiquement à la corniche et au vieux port. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est à la corniche. On va prendre chacun une trottinette et on va essayer de voir si on tombe pas sur des jeunes ou sur un jeune ou un vieux qui essaye de jeter une trottinette à l'eau, qu'on puisse le prendre sur le fait et qu'on lui fasse comprendre que ça se fait pas parce que ça pollue la mer. C'est vraiment pas bien pour l'écosystème. Voilà, donc là on va prendre chacun une trottinette, on va se suivre et on va tourner un peu autour de la corniche, voir si on tombe sur quelqu'un de bouche. Voilà. On n'a pas trouvé assez de trottinettes, du coup on continue à tourner pour en trouver d'autres. Et je suis obligé de chaler le gros derrière. Allez, on y va. Y'a que le jour de paix que le baraque est festif. Y'a que le jour de paix que le baraque est festif. Bon les gars, là on est un peu plus loin. On est un peu plus loin sur la corniche de là où on était tout à l'heure. On voit un mec, on a vu un mec là. Depuis tout à l'heure, il tourne autour d'une trottinette et il attend qu'il n'y ait personne à mon avis. Je sais pas, mais peut-être qu'il va s'amuser à la jeter. Et il n'a pas de téléphone, il n'essaye pas de la déverrouiller ni rien. Donc à mon avis, il va la jeter. J'en suis presque sûr. Donc on va se mettre dans le coin et on va le filmer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Si au bout de 10 minutes il fait rien et qu'il s'en bat, ben on s'arrache. C'est le mec en blanc depuis tout à l'heure, je sais pas si on le voit à la caméra. Il est derrière la voiture là-bas depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je te jure, il tourne autour des trottinettes. Allez, je vais aller, gars, cherche. C'est lui, non, non. Il a jeté par terre. Il a jeté par terre? Ouais, il a jeté par terre. Il a balancé par terre, mais violemment. Non, 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 vite, vite. Il tire. Normal. Écoute, non, non, ah, saut, on le suit de loin, lui. Mais il est là-bas, il est parti là-bas. Il nous a même pas vu, là. Il a pas cramé la caméra. Vas-y, ah, saut, je t'ai pas dit, là, a jeté la trottinette. Les gars, il s'est calé à l'arrêt de bus. Ah, allez, c'est derrière, les gars, non, passe devant. Alors, le photographe. Salut. Bonjour. T'attends le bus? Tu vas vers où? C'est une caméra parce qu'on fait des vidéos sur internet en fait. Des vidéos sur YouTube. Des vidéos sur les gens qui jettent des trottinettes dans l'eau. Comme toi. Tu connais pas? Tu connais pas les mecs qui jettent des trottinettes dans l'eau? Non, pas du tout. Tu as vu tout à l'heure ce qui s'est passé là-bas? C'est quoi là-bas? Il y a quelqu'un qui a jeté une trottinette. Il est tout en blanc, chaussure rouge en plus. Il y en a un qui l'a poussé par terre comme ça. C'est pas possible. C'était bizarrement bien, un peu pareil comme. Ouais, bah ben les mêmes choses. Je sais pas ce que vous voulez, vous êtes là, vous arrivez, je sais pas combien. Mec, écoute, non mais je vais t'expliquer. Comment ça t'explique rapidement. On a une caméra parce qu'on fait des vidéos sur YouTube. Ouais. En ce moment, il y a une polémique
sur Marseille qui dit qu'il y a beaucoup de jeunes, de gens qui s'amusent à jeter les trottinettes dans l'eau. Je t'explique, ça pollue l'eau. Ça, y a, pour une fois qu'à Marseille on a des trucs bien, il y a des gens qui les jettent dans l'eau. Donc voilà, ça fait polémique et à l'heure d'aujourd'hui on recherche des gens qui les jettent dans l'eau. Manque de peau pour toi, on t'a vu tourner autour d'une trottinette, on t'a vu la jeter dans l'eau. Ne dis pas c'est pas toi parce qu'on a, on a la vidéo. On t'a vu. On t'a vu frérot, tu l'as jeté dans l'eau, on va aller la récupérer. C'est toi, tu as jeté la trottinette ou pas? Parce que nous on a les vidéos. Ça va jeter la trottinette. Pourquoi tu fais ça quoi? Donc c'est ton kiff en fait. Ça te fait quel effet? Mais quel âge tu as? Tu as 7 ans, je faisais des conneries comme ça, j'avais 7 ans, 8 ans. J'avais 7 ans, 8 ans, il n'y avait pas trop. C'est quoi ton âge s'il te plaît? Non. Tu quel âge? Il le fait encore, il est fier. C'est quel âge? 25 ans, tu jettes trottinette dans l'eau. D'accord. Les gars, de toute façon, on va pas le jeter à lui dans l'eau parce qu'il y a déjà assez de merde dans l'eau, dans la mer. Dédicace au frérot. Il sait pourquoi. Donc, comme je disais, il y a déjà assez de merde dans l'eau, on va pas te jeter. Il y a beaucoup trop de pollution. Par contre, tu vas venir avec nous parce que sinon, la vidéo, on va la mettre sur YouTube, pas floutée, on va montrer ton visage et on va la mener aux flics aussi. Même si tu risques pas grand chose, je te dis la vérité, les flics, ils vont pas te faire grand chose. Mais si. Si on met la vidéo sur internet, on a 500 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, même plus. Donc ça veut dire que 500 000 personnes vont voir ta tête. Et je te garantis qu'à Marseille, les gens vont te reconnaître. Ah oui. Donc ce que je te conseille, c'est de venir avec nous, d'aller chercher, d'aller récupérer la trottinette et après on voit ce qu'on fait. Les gars, là on va chercher la trottinette, si on la voit dans l'eau, il ira la récupérer. Si on la voit pas dans l'eau, ça sera autre chose, on va faire autre chose. Allez go. Ça veut dire que là, elle aurait pu aller dans les rochers, mais à mon avis, tu l'as tellement lancé loin qu'elle a dû aller dans l'eau. Et elle a dû couler dans l'eau. Donc ce qu'on va faire, il y a des escaliers, on va descendre et on va voir si on la trouve. Si on la... Donc à l'endroit où il a jeté la trottinette, on ne peut pas descendre à pied. Donc on va être obligé de passer par les rochers et de longer en bas la côte pour être à l'endroit justement où il a jeté la trottinette. Donc on va tous passer par là. Là c'est beaucoup moins dangereux parce qu'on a failli se tuer. Et tu vas descendre avec nous. Hein? Allez viens. Et si on la voit, tu vas la chercher la trottinette. Donc quand tu l'as jeté, elle a atterri où? Là ou là? Elle a atterri là dans la mer. Et on... Mais si. Ah! Moi je la vois pas là. Je vois pas de trottinette là. Et puis avec le vent, l'eau elle est un peu sale. Ça veut dire sale, plus sale. À la vie, tu sais ce qui s'est passé? Il a jeté avec les vagues et tout, elle a dû couler, elle a dû être là-bas. Je te le dis moi. Ouais. Sûr. Elle doit être vers là. Certain. Il va la chercher. Alors, tu vas plonger. J'ai mieux, vas-y, venez, on remonte. Tu vas rester avec nous. Tu veux pas plonger? Non, je peux pas plonger. Comment je fais? Je peux pas la récupérer. Comment je fais? Là, je peux. Ah, là, c'est bien parce que tu as pollué la planète, là. Bravo. On remonte. Il va venir avec nous, qu'il le veuille ou non. Voilà, je te le dis, moi. Que tu le veuilles ou non, tu vas venir avec nous. Pas de nom. Eh ben vous verrez, on va couper, tu verras si tu seras pas avec nous dans 5 minutes. Donc là les gars, on est avec le mec qui a jeté la trottinette. On va le faire monter, tu vas monter dans la voiture. D'accord. On a trouvé un arrangement avec lui. Il est d'accord. Tu es d'accord pour ce que je t'ai dit? Je suis d'accord. Voilà. Bon. À contre-cœur, mais tu es d'accord. Bon, c'est ça. Donc on a discuté sur le chemin. On a une sentence qui est pas méchante, mais au moins ça lui servira de leçon. Oui, allô. Allô David. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquillou. Dis-moi, tu es au salon là ou pas? Tu es dispo? Ouais, j'y suis. Je vais passer mais c'est pas pour moi. C'est... Vas-y, dis-moi. C'est pour un mec que j'ai croisé dans la rue, tu sais, mais je t'expliquerai après. T'attends. Eh ben dans une demi-heure, je suis là frérot. Allez, à dessus. Allez, ciao, top, merci. Direction le salon de HNB avec notre ami. Il va bien. Eh ça va, c'est mieux ça que d'aller dans l'eau. Ouais mais non. Eh, tu as tué des animaux? Ouais mais non. Donc voilà les amis. On est devant le magasin HNB de David Howard. Est-ce qu'on a trop le choix? Non, je sais pas. Il y a pire. Non, mais c'est sûr, il y a pire. Je crois que tu vas avoir un logo
Vous allez voir. Bonne nuit. Dans l'eau, du coup on a négocié avec lui, pas qu'il y ait de problème, pas la mine à la police, tout ça. J'ai dit, comme je sais que tu dessines très bien et que tu es spécialiste dans ça, je vais lui faire le logo Camouf, tu vois le logo Camouf, ouais, ouais. Ça, je vais le faire là, pas sur la terre. C'est pas ça, j'ai oublié. J'en profite justement pour faire la publicité pour mon ami Trillionaire Prono qui fait des pronostics, que ce soit sur le foot, sur le rugby, sur le tennis et qui est très fiable. Donc si toi aussi tu as envie d'aller chez le coiffeur, de te faire des méchantes coupes et d'aller sur le compte de l'État et de la Française des Jeux, n'hésitez pas à rajouter le frangin Trillionaire Prono. Rien ne vous oblige à le rajouter ou à suivre ses pronostics. Si j'en parle, c'est parce que c'est vraiment le meilleur pronostiqueur que je connaisse à l'heure d'aujourd'hui. Et si tu veux que cette monnaie se transforme en billet avec lequel tu peux te faire du vent, rajoutez Trillionaire Prono, c'est sérieux. J'ai gagné encore 160 euros tout à l'heure grâce à ces pronostics. Là aujourd'hui, on a fait ça. Mon ami, il fait ce que vous voulez sur les têtes. Sur n'importe quelle tête, il vous fait ce que vous voulez, un portrait, n'importe quoi. Avec l'équipe, on a vu. Je me suis dit, voilà, si on arrive à 100 000 abonnés sur Instagram, 100 000, on est à 5 000. Tu les auras jamais. Voilà, chose que je pense que je n'aurai pas avec cette vidéo. Mais si je les ai, je me fais pareil derrière la tête, mais moi je me fais marquer les 500K. Pour les 500K des abonnés sur YouTube. Voilà, mon ami. Tout est libre. Laisse-lui ça, là. Dis-moi si tu le vois bien là-dedans. Alors, s'il te plaît. Tu peux le mettre. Si vous voulez vous rendre au salon de mon ami David, HNB Barber Shop. C'est à quelle adresse si on veut 91 rue Alphonse Daudet, uniquement sur rendez-vous. Merci en tout cas, Frédéric. Merci à toi. Ouais, on reste à une petite pub. Voilà. Et puis. Et puis voilà. Et ça appelle. Ouais, ça appelle. Toi, merci. Ciao, ciao. Poto. Au revoir. Mais un conseil, parce que ne lance plus trop de Fatih Wenda. Il t'a donné un nouveau prénom, Krana. Si vous le voyez dans la. Kranov. Kranov. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, on est tombé sur un mec qui s'amusait à jeter des trottinettes à la mer sans forcément de raison, juste pour le plaisir. Et c'est pour ça qu'on l'a interpellé. Je remercie HNB David Howard d'avoir fait cette coupe, de lui avoir écrit le logo Camouf en gros sur la tête. Il était d'accord pour se faire inscrire le logo Camouf derrière la tête. On ne l'a pas forcé du tout. Et vaut mieux pour lui qu'il se fasse le logo Camouf derrière le crâne plutôt qu'on l'amène chez les flics. Alors moi perso, hein, j'espère qu'il recommencera pas d'aussitôt. Et j'espère aussi que ça lui a servi de leçon. Comme d'habitude, si t'aimes nos t-shirts, si t'aimes notre marque de vêtements et si tu veux porter notre marque, n'hésite pas à te rendre sur le site www.futuratech.com. Il y en a pour tout le monde, les frais de port sont offerts et ça à vie. N'hésitez pas à rajouter mes frérots sur Instagram, tous leurs snaps s'affichent ici.
Ils font partie de l'équipe entièrement et grâce à eux, on peut arrêter des gens que tout seul, je n'aurais pas pu arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des enfants aussi, même vous, vous êtes jeunes, surtout comprenez qu'il ne faut pas polluer la planète et que même un mégot, quand vous le jetez par terre, ça se retrouve dans l'eau, c'est des animaux qui les mangent et souvent, les animaux meurent à cause de ça. Donc s'il vous plaît, ne jetez rien à la mer, ne jetez rien par terre, il y a des poubelles mises à disposition et s'il n'y en a pas, gardez-les sur vous pour les jeter plus tard. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à bientôt. Et comme dirait une musique de Sniper, comment veux-tu que la Terre tourne à l'endroit si nos cerveaux marchent à l'envers? Reaction!